Tous les jours, vous êtes nombreux à venir à l'incroyable Grévin rencontrer les héros du sport d'aujourd'hui. Mais à quoi ressemble leur quotidien ? Il est temps d'ouvrir la porte et de passer dans les coulisses de leur préparation. Façon de parler. Dans cette vidéo, nous retrouvons Michael Zézé, l'un des hommes les plus rapides de France, que Grévin soutient dans sa course à la médaille. L'année 2024 est cruciale avec la plus grande des compétitions de la planète cet été. Alimentation, soins médicaux et préparation mentale, voyons voir comment s'annonce cette dernière ligne droite. Je vous emmène à Medics Care, c'est mon QG médical. T'enchaînes des petits squats, des petites fentes, histoire de vraiment chauffer un peu le système. Je baisse son pied là, les gars. Ce test vise à évaluer la force des abducteurs, des moyens fessiers. On évalue donc la différence droite-gauche. Il doit pousser le plus fort possible et maintenir sa force pendant 5 secondes. Allez, vas-y, 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 plus fort, plus fort, vas-y, 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 encore, 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 encore. Et là, l'idée, c'était de pouvoir avoir un comparatif et savoir si j'avais progressé par rapport à 3 mois, donc j'ai hâte de voir les chiffres. C'est que t'as réussi à augmenter ton niveau de force par rapport à la fois précédente. Ça, okay. Je suis maintenant certain parce que j'ai regardé tout à l'heure. C'était combien ? On était à combien là ? Juste pour voir les chiffres. Ah là, t'as doublé, hein. Doublé, les gars ! Avec le travail qu'on fait depuis 3 mois, ça me permet d'être beaucoup plus axé, gagner beaucoup plus de temps et être plus rapide, forcément. On est bien là, Michael ? Non, je suis en PLS. Oui, la prochaine fois, je te conseille plutôt un masque à la cire. Rien de mieux pour rester en forme très longtemps. Et moi, je dis souvent, moi, j'ai plusieurs rôles, mais avant tout, je suis un supporter. C'est une histoire humaine forte, voilà. En fait, l'avantage en fait, de travailler avec toi, c'est que tu me donnes les armes, tout simplement, pour que je puisse être au top. J'ai connu des périodes assez compliquées, et donc j'ai commencé à faire des compétitions où je faisais pas du tout les perf que je voulais. Et là, ma coach du moment me dit « tu devrais peut-être consulter ». Donc j'accepte. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur ma personne, à découvrir, à savoir ce que je voulais, ce que j'aimais et pourquoi je le faisais. Maintenant, allons chez toi, Michael, voir ce que mange un athlète de haut niveau. Voilà ma cuisine. Moi, je suis plutôt carnivore. Du coup, je vais manger beaucoup de viande, mais j'aime beaucoup manger tout ce qui est poisson. Que ça apporte vraiment en oméga 3 et je fais des espèces de petits smoothies. Donc je fais des smoothies avec épinards, fruits rouges, bananes, des toasts avec du pain complet toujours, très 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 important. Et ça, tu aurais le droit à ça ? Ça de temps en temps. Allez, prochaine étape, c'est le meeting de Paris en juillet. Une compétition qui permettra peut-être à Michael de se qualifier pour les épreuves de l'été. En tant que sponsor officiel, Grévin vous fera vivre tout ça bien sûr, mais avant, on vous attend au musée pour l'entraînement. Saurez-vous battre le record de Michael ?